les hauts massifs de la Castagniccia renferment eux aussi leurs légendes et leurs secrets. Dressés comme des châteaux, ces gardiens de pierre surveillent depuis l'aube des temps une région boisée qui fut jadis le grenier à châtaignes de toute la Corse. Une région riche et prospère qui alimentait les campagnes et les villes au siècle passé. Une région qui abrite encore sous ses frondaisons les fantômes d'un passé révolu. Au pied des massifs, au débouché de la vallée, une rivière de blocs roulés saigne la montagne. Elle serpente comme une veine dans la pierre, profonde et tortueuse, au fond d'un ravin resserré, étroit et lugubre. Soudain, au détour d'une courbe, un vieux pont de pierre enjambe un trou d'eau, tout aussi sombre. Le lieu semble magique, mais de nombreuses histoires sordides en ternissent la réputation. Il est dit par ici que le diable a œuvré sur ces terres et que ceux qui y pénètrent doivent se tenir sur leur garde. Est-ce que c'est joli ici? Ouais. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça, c'est la menthe. Ah, c'est ça? Ouais, la menthe qui pousse le long des rivières. Mmh. Regardez comme c'est beau. Cette belle feuille verte avec la petite fleur mauve. Joli, hein? C'est joli, oui. Et ça se mange? Ouais, tu peux en manger, enfin, un petit peu parce que c'est assez fort. Tu la mets dans les salades juste pour aromatiser. J'aime bien ce parfum. C'est sympa ici. Ça sent bon. Oh, ça sent bizarre d'un coup là. Ouais, ça va être la menthe qui a macéré avec l'eau. Oh, oh c'est pas ça. Oh, oh ça sent autre chose. Oh mon Dieu! Ah, le cadavre, c'est ça qui sentait. Oh, c'est horrible! Le pauvre bouc. Ah, je croyais que c'était une chèvre. Il a dû glisser et puis il s'est noyé là. Ah, c'est trop triste. Ah, j'aurais jamais dû t'emmener là. Je me disais, on prend la route du dessus, mais bon, parce qu'ici c'est le pont de l'enfer. Bon. Ouais, et ici il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, il y avait une réunion un jour sur un pont de jeunes gens. Le pont était en bois à l'époque, hein, et bla, il est tombé. Et les gens ont disparu à jamais dans le trou noir. Bah ouais. Tiens, mets ça sur le nez. Bon. Il y a une légende bien plus vieille que ça. C'était à l'époque médiévale. Il y avait un seigneur de la branche des Corting et son fils n'aimait pas la vie seigneuriale, il n'aimait pas le château. Lui, ce qu'il préférait, tu sais, c'était aller gambader dans la forêt et surtout d'aller pêcher les truites dans les rivières. Ouais. Donc un beau jour, il vient ici avec sa canne, il met la ligne et là, il attend et bon, une touche énorme. Et là, il lâche pas prise et ah, il a tiré dans le fond. Et en fait, on n'entend plus jamais parler de lui à partir de ce moment-là. Et le seigneur, bien entendu, pensait que c'était son rival, qu'il avait kidnappé. Et là, il va déclarer la guerre. Oula. Et ici même, en fait, il y a eu un terrible combat. Et chaque fois qu'un soldat a été touché mortellement, il tombait dans le trou et il disparaissait à jamais dans le fond. Wow. Diabolique. Et le seigneur comprit que cet endroit était maléfique. Et depuis ce jour, on l'appelle le pont de l'enfer. Ouais, bah dis donc, ma fille, on s'en va alors. Hein. Tu sais, moi, toutes ces histoires de diable. Viens. Là? Là, par là. Viens. Oh. Speed, la speed. Oh. Le pont de l'enfer est en réalité le point de départ d'un ancien chemin de muletiers qui s'enfonçait jadis au cœur des massifs de la Castagniccia, vers des lieux reculés et inaccessibles, où des populations fuyant les guerres et les razzias avaient élu domicile et construit leur habitation. Ce petit village de Fiuminale est ainsi né de la volonté des hommes de protéger leur famille et de venir se cacher là où personne ne viendrait les chercher. Bâti le long d'une arête rocheuse, au plus profond de la Castagniccia, ce village de Fiuminale se composait jadis de deux ensembles étagés, Fiuminale Suttano et Fiuminale Suprano, situés juste au-dessus. Ces deux hameaux ont été peuplés jusqu'au milieu du XXe siècle, avant d'être progressivement abandonnés par les nouvelles générations, qui ne voulait plus subir les rigueurs de l'isolement. Comme c'est joli ici, c'est mystérieux. Ouais, c'est assez émouvant hein, de venir ici dans ce village. Caïva. Je suis fait piquer par les orties. Oh, fais voir. Ah, mais Paul, tu me repousses dedans. Ben, tu n'as qu'à pas respirer. Comment ça va pas respirer? Eh ben, quand tu passes devant les orties, tu retiens ta respiration et puis tu peux te frotter à elles et ça pique pas. Ah ouais, c'est ça. Et regarde comme elles sont belles. Toutes vertes, tu vois, avec les petites clochettes. Tu te fais pas piquer en fait. Et pourtant, je respirais, non. Ben, ça doit être mes mains, comme j'ai de la corne, ça me fait rien. Mais regarde tout ce qu'il y a, là. Bouf. Tu vois, il faudrait les ramasser, les faire bouillir, hein, les laisser un peu macérer dans l'eau, et après faire une bonne soupe. Oh, quelle horreur! J'adore faire la soupe, la préparer. Et puis chez les carottes, écosser les haricots, ça me plaît. Et là, tu vois, rajouter cette plante, l'année, évidemment. Ah, ça, oui. Pour donner du goût. J'adore. Ah, je me vois déjà. Mmh. Et là, pour finir, avec une bonne figue brune pour le dessert. Ah, oui, pourquoi pas. Ah. Mmh. Celle-là doit être toute rouge à l'intérieur. Ouais. En tout cas, elles sont bien conservées, hein, ces maisons. Regarde celle-ci. Ouais, mais le regarde celle-là, c'est dommage. Regarde son toit, il est tout effondré. Ah ouais. Et regarde ce qu'il y a dans l'angle du mur. Bah, c'est des poteaux électriques. Eh ouais. Ils n'étaient pas si coupés du monde que ça, finalement. Hein ah, c'est ça. J'aurais pas cru. Et là, regarde. Je m'imagine, là. À l'intérieur, le chaudron, les légumes qui mijotent, sel, poivre, un bout de pancette, ou alors un skin coup dedans, tu sais. Mmh. Oh là là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je trouve que ça manque un peu de lumière et d'air. Ouais, enfin, c'est pratique quand même. Là, tu peux accrocher le chaudron, tu vois, en dessous, le fourgon, en dessous. Ou alors, tu fais une cheminée hein, dans la paroi du mur. Après, là, tu peux accrocher le prise-out. Tu as des niches. Dans la niche, tu peux mettre le linge ou les pots de confiture. Enfin, c'est pas mal, hein? Oh, super. Et c'est ici que nous habiterons. Ouais, c'est ça. Et toi, tu iras cueillir les fruits et légumes du jardin pendant que moi, je te préparerai de bons petits plats et de bonnes soupes. Hey. Et en plus, tiens, regarde, avec ce fer, tu vas t'atteler à repasser les chemises de polo. Ouais, bah, la proposition est intéressante, mais je crois pas, hein. Non. Ça marche bien, hein. Le col avec de l'eau de pluie, nickel. Oh là là, ouais, toi tu es prête à t'effondrer, hein? Pas maintenant, hein? Oh. toi alors. Hein. La chemise dans le village abandonné, ben, ça a une certaine classe. Toi, tu veux me voir élégant, hein? La chemise, comme les cousins de Paris lorsqu'ils venaient au village l'été. Chemise et Bermuda. Nous, on était toujours sales et eux, une tiquette toujours propre. Élégant, disait Tata. Et nous, on se faisait engueuler. Pourquoi? Par Pépé. Parce qu'on arrivait à table, on avait les mains et les ongles tout noirs, et eux, ils avaient les mains qui brillaient. Parce que nous, on faisait des cabanes, on était bâtis à match. Et eux, ils faisaient jamais rien. Ils étaient toujours impeccables. Cette maison, regarde, beau toit, très beau mur. Hein. Elle est bien conservée, hein. C'est un peu normal, c'est-à-dire que les habitants du village ont quitté l'endroit il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est quand même étrange, je me suis toujours demandé comment un jour on décide qu'on abandonne un village. Le dernier ferme la porte et bye bye, on s'en va. Et c'est fini. Et en fait, c'est lié déjà à la route, puisqu'ici on n'a pas de route. Ouais. Et en même temps, c'est un peu comme dans tous les villages de l'intérieur, proche du littoral, au Castagniccia, à Fumourbo et ici en Tavagna, où sur la plaine littorale, on construit des gros villages, enfin, des villes, et tout le monde travaille en plaine. Donc petit à petit, au fil des années, les gens vont quitter les villages pour habiter au bord de la mer. Ouais, c'est vrai que c'est plus simple avec les routes, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Mm. C'est dommage. Mais bon, la dernière villageoise a quitté le village en 1981, elle s'appelait Tia Devota, et elle est morte à 83 ans. Oh waouh, bah, le mode de vie de l'époque conservait quand même. Hein. Ouais. Et donc elle a vécu ici, elle n'a jamais quitté son village, elle vivait là avec... des chèvres, elle avait du lait, des cochons, des poules, le jardin. Et de temps en temps, elle descendait à Vélone et par le pont de l'enfer pour aller faire ses courses. Tu m'as l'air bien au courant. Comment ça se fait? Ben, je connais l'histoire. Hein. Moi, je ne l'ai jamais connue, cette Tia Devota, mais j'en ai entendu parler par la tradition orale. Et il y a Antoine Tiozzi qui a chanté une très belle chanson sur le village de Fiuminale. Et d'ailleurs, il a rencontré lui-même Tia Devota. Elle lui a parlé de l'histoire de ce territoire. Et elle aurait planté un arbre, un tilleul, quand elle était petite. Et elle voulait se faire enterrer sous ce tilleul. Ah, donc elle est là, alors elle repose quelque part par ici? Malheureusement non, puisqu'elle a eu des problèmes de santé. Elle a dû aller à Bastia et ensuite rejoindre Marseille. Et donc elle repose en Provence. Mais bon, son âme repose ici, au-dessus des hameaux de Fiuminale. Ouais, c'est bien triste quand même. Elle aurait mérité d'être enterrée là. Hein. Oui, mais... elle est là, t'inquiète pas. Et la chanson est très belle aussi, hein. Elle parle de sa vie à Fiuminale, qui dit que Quasu il dobaese, tinesta isola sola, accura tre casa pese, qui ti stringe la ora. Fiuminale in amore, malgré la tua presenza, Fiuminale in amore, chi ni monea coscienza. En fait, il dit que Fiuminale, le village, se meurt, malgré sa présence, et Fiuminale se meurt, et que personne n'a conscience. Ouais. Sauf un. Très belle chanson. C'est vrai, c'est joli. Lorsque Tia Devota partit, elle ferma la porte de sa maison et au-delà, la porte sur un village et un mode de vie. Ce fut comme si elle refermait la porte vers une société ancestrale, mais totalement révolue. Ces villages pittoresques étaient nés d'une volonté de se protéger de l'extérieur. Ils étaient difficiles d'accès et isolés. Ils correspondaient bien à un mode de vie un peu autarcique, où les gens bougeaient peu et seulement à dos de mule. Cette époque n'existe plus, et les besoins d'aujourd'hui sont bien autres. Les hommes sont redescendus sur les plaines littorales, là où il y a de l'activité économique et des routes, là où ils vivaient autrefois, avant que la guerre ne les chasse et ne les oblige à rechercher refuge au plus profond des massifs. Et d'après toi, qu'est-ce qu'ils mettaient les villageois dans ces niches-là? Oh, je sais pas, on a des bougies, non? Des bougies ou aussi des lampes à huile. Hein. Parce qu'à l'époque, toutes les ruelles et tout le village étaient illuminées. Ouais, et puis chacun devait avoir sa tâche, il devait avoir le petit boulanger, et puis à côté le maréchal Ferrand, parce qu'il y avait plein de chevaux et de mulets à l'époque. Hein. Ouais, tout était organisé, hein. Ils n'avaient pas besoin de grand-chose, ici ils vivaient en autarcie. Hein, chacun avait sa tâche, chacun produisait quelque chose. Donc il y avait le jardinier qui produisait les légumes, qui produisait les fruits, il y avait le berger qui faisait les fromages, des tomes, du fromage frais, le charcutier qui faisait les sarchiches ou les prisoutes. Et alors ils s'achetaient les uns aux autres, ou alors ils faisaient du troc. Hein. Odoumé, mandami douiga, j'ai quitté Bortera, j'ai des artiches. Ça se passait comme ça, c'était convivial, ils avaient confiance les uns aux autres. Et des fois, ils étaient obligés de descendre à la plaine pour acheter des produits qu'ils ne pouvaient pas produire ici, comme le chocolat par exemple. Oui, hein, enfin, ou du papier, des vêtements. Ouais, papier pour envoyer les nouvelles aux cousins de Paris. Et après, ils se retrouvaient aussi au bar, hein, au café, pour discuter de la politique du village, comment on allait organiser les prochaines élections, ou comment on allait préparer la fête du lendemain. Tu vois. Ça devait être bien. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais après, le bar, il est tombé, hein, et puis... assez haut, Rélisère, qui fait Modoumé. Et on descend au bar à la plaine, allez, Andem. Et après, les gens, ils sont descendus à la plaine, au bar, et ils sont restés à la plaine. Mais en attendant, la communauté devait se regrouper tous les dimanches, ici même, à Sandizé. N'empêche qu'elle est vraiment toute petite. Hein. Toute petite, mais ça suffisait ici. Hein. Et ils s'entassaient tout ça dedans. Ils s'entassaient parce que Sandizé, c'est le patron de la famille. Et tu oses. On n'entend pas beaucoup parler de Joseph, hein, notamment dans les écrits bibliques. C'est vrai, c'est bizarre ça. Pourtant Joseph, c'est un personnage important de l'histoire. Oui, hein. C'est à la fois l'époux de la Vierge Marie, qui est la patronne de la Corse, c'est le père nourricier de Jésus. Ouais, c'est bizarre. Et Joseph était un homme vieux, il était veuf, il avait déjà des enfants. Et une nuit, dans un rêve, un ange apparut. Et cet ange lui a demandé d'épouser la Vierge Marie, qui était alors enfantée de l'Esprit Saint. Alors lui, dans sa tête, ça trottinait. Je vais l'épouser, je ne vais pas l'épouser. Et en plus, il avait peur d'être à la risée de tout le peuple de Judée, parce que Marie était beaucoup plus jeune que lui. Et il accepta la proposition de l'ange, il accepta la parole divine. Et il épousa Marie. Et à partir de ce moment, il eut plusieurs apparitions des anges dans la nuit. Et ces anges et Dieu lui-même lui sont apparus pour lui prévenir des dangers que la famille encourait. Donc sans Joseph, Jésus n'aurait pas en fait apporté la parole de Dieu sur terre. Alors, donc c'est quand même important. Hein. Ah bah oui. Joseph, on l'appelait aussi Tecton. Tecton en grec voulait dire charpentier. Charpentier, le tailleur de bois, l'ébéniste ou alors le tailleur de pierre. Mais aussi charpentier, jadis voulait dire... le juste. C'est ça, l'homme sage. En tout cas, je suis un petit peu déçue de ne pas voir l'intérieur de la chapelle. Ouais, mais les clés, je les ai pas, mais... on a les cloches. Et le soleil, oh, l'Esprit Saint qui nous illumine. Oh. Et qu'est-ce que tu veux faire avec cette cloche? Allez, arrête, ça dit. Pourquoi? Tiens-moi les lunettes. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez. Oh, purée. Aspire. Oh, t'es fou! Ah, tu veux que j'attrape, là? Eh oui. Oh là là. Mais j'arrive pas, là, Paul. Attends, regarde, il y a un bâton. Oh. Tapis à lui. Attends, tiens, tiens. Oh, ah. Oh là là. Tu arrives? Non. Ah, oh. Je vais monter, moi. Oh, attention, tiens. Attention. Oh. Attention. Ah ouais. Fais-moi, à moi. Tiens, tiens, tiens. Smack. Cela fait probablement bien longtemps que les cloches n'avaient pas retenti dans ces montagnes retirées, le long de ces vallons étroits et sur les cimes de cette forêt inextricable. Faites toutefois attention, les amis, à ne pas déranger quelques âmes paisibles qui aspirent à la tranquillité. Quelques esprits endormis, quelques forces mystérieuses assoupies depuis des décennies, sous ces denses frondaisons. N'oubliez pas que le pays que vous arpentez aujourd'hui est un lieu chargé d'histoire et de légendes inquiétantes, que le chemin qui grimpe les flancs de cette montagne débute par celui que l'on nomme le pont de l'enfer. Le second hameau de Fiuminale se perche presque jusqu'au sommet de la montagne, littéralement accroché à la crête rocheuse, au plus près des dieux. Le sentier qui y mène est particulièrement raide et ardu. Ici, on tutoie les plus hauts sommets de la Castagniccia. On a l'impression d'être assis sur le toit de l'île. Ici, le temps s'est arrêté, il y a presque un demi-siècle. Les vivants sont partis, fermant pour toujours les portes des maisons, laissant derrière eux les souvenirs et leurs fantômes. Maintenant, je comprends le poids du sac. Mais bon, j'aurais jamais pensé que tu me prépares une surprise pareille. Hein. Je reste quand même un peu romantique. Hein. Ouais, bah c'est très gentil en tout cas. Ouais, mais le sac, c'est moi qui me suis habitué tout du long quand même. Et heureusement, non? Ouais. Mais bon, là on est bien, au coin du feu, ça réchauffe un petit peu. Ouais. Et puis regarde ce paysage, ces montagnes, cette forêt de Calganère. C'est grandiose. Et Fiuminale Suprano, enfin, les ruines du village. Hein. Ouais, ouais. Quel dommage d'avoir abandonné ces beaux villages. Hein. C'est vrai, mais quand tu penses qu'à l'époque ils faisaient comme nous, le spontino, hein, ils étaient un peu plus nombreux ici. Hein, et puis en plus, il y avait tous les chemins qui menaient aux autres villages de la région, de Tavagna, du Morianic, même de Loretza. Là, tout était relié. Hein, et puis les gens se rencontraient, les cousins montaient avec les mules. C'était la vraie vie, quoi. C'est vrai. Et puis les hommes vivaient libres, j'ai l'impression. Hein. C'est vrai. Traverser les montagnes. Oh, oh là là. Ouais. Et bon, je trouve, non, hein? Ouais, tannique et avec un goût de fruité, de groseille, de fruits rouges, tu vois, de mûr. Oh, tu t'y connais? Eh, un petit peu. Allez, santé. On trinque à la santé, aux balades et à la découverte de villages perdus. Ah, ouais. Eh bien, on est bien, ce soir. Kumpi Mougui, je t'aime Mougui, c'est à nous. Bon, je crois pas, non? Et pourquoi? Avec l'ombre du diable qui rôde au-dessus de nos têtes, non, je crois pas. Le diable, tout compte fait, je vais finir mon verre de vin. Tiens, puis on peut se dire des artichauts. Et moi, je vais aller prendre mon sac et on y va. Le diable, ça marche toujours avec lui. Paul? Paul! Paul! Quoi? J'ai entendu un bruit! Oh punaise! Et ton sac? On s'en fout! Ah là 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 là! Je vous avais prévenu, les amis. Mais jamais vous ne m'écoutez. Allez. Regagnez donc la douceur de la plaine, en courant si vous le voulez. Et n'oubliez pas, au passage, de refermer la porte sur ces montagnes. Elles aspirent désormais à la tranquillité. Ah, comme c'est paisible. Et puis, de toute façon, le diable, on sait bien, il n'existe pas. Enfin, c'est ce qu'on dit.